allez bien, que vous avez bien dormi, que vous vous êtes remis de votre soirée du 31 et que vous êtes en forme. Nous ça va, encore un petit peu fatigué hein chérie, un peu dans le coltard, mais ça va aller. D'ici la fin de la semaine, pour la reprise, on sera en forme. Alors, aujourd'hui, au menu. Logiquement, ce midi, c'est marmite de riz aux saucisses, donc c'est comme un wanpo avec des saucisses et du riz. Voilà, on fait tout cuire dans le cookéo. Alors logiquement, c'est ça. Je dis logiquement parce que là, on est sur le départ. On va aller souhaiter nos voeux à nos parents respectifs, à moi et chérie. Comme vous savez, hier, on était fatigués, on est rentré très tard et du coup, on n'a rien fait. Alors, et le dessert c'était yaourt. Et ce soir c'est des ballotins de dinde à l'italienne avec des pâtes à la tomate et un fruit comme dessert. Ballotins à l'italienne, de dinde à l'italienne, c'est une escalope de dinde que je vais farcir avec de la copa, de la dinde séchée et de la tomate séchée et de la mozzarella. Quand je vous disais que c'est pas encore ça, il y a encore un petit peu de fatigue qui traîne. J'ai encore des bulles dans la tête, chérie, il dit. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, au programme ce matin, on va aller faire un petit coucou et souhaiter nos voeux aux parents. Et puis cet après-midi, chérie se met au travail. Ah, chérie? Ouais. Il a passé 15 jours à rien faire, donc du coup, boulot maintenant. Je rigole, mon amour. Non, on voudrait poncer la table, voilà. Et puis on va peut-être aussi, si on a le temps, commencer à enlever 2-3 trucs de déco. On verra. Voilà. Bon allez, go. J'ai la flemme d'enlever cette déco. En fait, j'ai la flemme tout court. Allez, on y va. On va, du coup, là, tout le monde est prêt. Ça y est. Voilà, donc on y go. On va chez les parents. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est quelle heure? 14h20. Voilà, il est tard. Donc du coup, on vient d'entrer. On va faire manger le ragoût de saucisse comme c'était prévu. On est passé par la boulangerie. On a acheté des baguettes et on va se faire des sandwichs. Il reste plein de charcuterie qu'on devait mettre sur la planche. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas... Mais il faut que chérie se mette au boulot après. Hein chérie? Donc du coup, voilà, ils sont tous en train de s'activer à faire leurs sandwichs avec tout et n'importe quoi dedans. Hein? Voilà. Maman, elle a pris son temps, elle était chez papa et maman, elle était bien tranquille. Bah ouais. Et vas-y, qu'est-ce babelle, vas-y, vas-y. Hein? Non, voilà. Et papa, du coup, il va se mettre au boulot, il va se dépêcher. Comme d'hab. Elle va être finie ce soir, la table. Bah oui. Normalement. Non, on verra. Ouais, donc du coup, sandwich avec des restes. Pour ce midi. Et après boulot. Ouais. Moi, j'ai faim en plus. Allez, on va manger. Pourquoi il y en a moins? Pourquoi? Il y a trois enfants à la maison, deux ponceuses, ça va s'alterner. Bah oui, tout le monde va donner un coup de main, moi je vais te donner un coup de main, mon chéri. Ouais. Et moi je dors. Et toi tu... Non, j'ai dit qu'on te donnait un coup de main, j'ai pas dit que j'allais faire le boulot. Hein. Je dors, oui. Vous avez bien compris, je vais dormir. Non. Bon allez. Tout à l'heure. Donc du coup pour moi, ce midi ça sera un sandwich, et qui me donne bien envie. En fait c'est du speck. Donc c'est du bœuf séché avec de la courgette marinée, des tomates semi-séchées et des copeaux de parmesan. Voilà. Des bons restes, comme on dit. Voilà. En même temps, il va falloir la manger, cette charcuterie. Parce qu'il y en a encore plein. Hein? C'est ça, quand on a le... Hein, quand on a un chéri qui veut toujours acheter, 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 qui a peur de jamais avoir assez... À cause de toi. Hey, on va manger. On est en train de faire la table. C'est casse-pied. En plus il pleut donc on est obligé de le faire à l'intérieur. Donc ça va être chouette pour la poussière. Mais bon, c'est pas grave. Alors on est en train de faire déjà les pieds. Alors c'est plus chiant les pieds. Parce qu'il faut... voilà, c'est pour sculpter un petit peu comme ça. Alors, vous voyez, c'était des ronds, des cubes, des trucs. Donc mais bon, on est juste en train de casser le vernis surtout parce que les pieds, je voudrais mettre une peinture beige en fait, voilà, qui rappelle un peu les tons de la maison. Et par contre le dessus du plateau, ce qui va être le moins chiant à poncer, là par contre je voudrais bien le poncer pour pouvoir essayer de l'avoir en bois clair, on verra ce que ça donne, et pouvoir le laisser le naturel quoi en fait. Voilà, donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Bon allez, on va aller continuer à poncer. En plus j'ai fait mes ongles cette semaine, mais bon je sais pas si ça va servir à grand chose parce qu'avec le ponçage à mon avis ils vont morfler. Hein? Si
C'est chiant le ponçage. Le plus chiant quand vous défaites un meuble, quand vous rénovez un meuble comme ça, c'est ça. Voilà, c'est pas la peinture, c'est vraiment tout décapé. Et en plus là, je sais pas ce qu'il y avait sur la table, c'est du gros bois en fait, qui en dessous elle est vraiment costaud et vraiment lourde hein, cette table. Mais c'est, je sais pas, le vernis, c'était vraiment un vernis très très brillant et très... Donc du coup il est vraiment dur à enlever. Et après le fer au décapeur thermique ou quoi, il y a des moments ça brûle le bois et on n'arrive pas à avoir quelque chose de très propre en fait en dessous quoi. En fait c'est bien quand vous enlevez au décapeur, c'est bien quand vous allez remettre en peinture au dessus. Là il faut y aller mollo et doux. Allez, on y va, on continue. Allez, courage, donnez-nous votre courage. Fini de poncer la table, j'ai presque fini le plateau. En fait, en voulant le poncer et tout, on s'est rendu compte que ça irait pas comme on voulait. Donc du coup, je l'ai fait comme les meubles. On va faire en l'azur le dessus du... enfin, le plateau de la table. Et les pieds, par contre, je vais les faire en couleur beige, un peu comme dans les... comme l'escalier ou comme le haut du meuble qui est ici. Vous voyez ? Voilà. Donc là, chérie est en train de ranger ses outils. Comme je vous ai dit, j'ai fini le plateau, je vous montre. Voilà. Donc ça fait ça, donc j'ai donc là c'est pas encore bien sec et puis il faut encore que je mette une couche de cire dessus pour protéger la table. Et là en bas donc c'est poncé, mais il faut encore mettre en peinture. Donc comme je vous ai dit, on mettra comme le meuble ou comme les escaliers. Et là chérie qui range son bordel. Hein, chérie ? Non, c'est pas mon bordel. Si, si, c'est ton bordel. Non, c'est un bordel organisé. Un bordel organisé. C'est bizarre, hein, chez les hommes, c'est toujours organisé. Hein ? Moi, tu me demandes n'importe quel outil, je trouve. Oui, mais oui, chérie. Bon, on vous demande oui. Un truc, il faut 36 heures. C'est ça. Et... non, voilà. Et là, du coup, on va arrêter parce qu'il est déjà 19h passé. On a passé notre après-midi avec cette table. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Hein ? Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Donc du coup demain on fera les pieds. Et puis je mettrai peut-être même déjà ce soir, je verrai. Ou demain matin, je mettrai la cire sur la table pour la protéger. Mais bon, comme j'ai dit aux enfants, plus de dessins sur la table sans protection, parce qu'ils avaient le chic pour faire ça. Parce que là je voudrais ne plus mettre de nappe ou quoi que ce soit dessus. Je voudrais la laisser comme ça. Mais du coup voilà. Parce qu'ils avaient tendance à dessiner ou faire des trucs sur la table. Mais comme je leur dis, un trait de feutre rouge, là c'est mort hein. J'ai pas envie de tout repenser à chaque fois qu'ils font un... que ça dérape. Je suis malade. T'es malade. Oh. C'est dommage. Bah ouais, c'est bientôt l'école. C'est bientôt la reprise. Bon alors du coup, comme je vous ai dit, il est 19h. Ce soir logiquement c'était les ballotins de dinde. Mais du coup je vais pas les faire. Je pense que je vais faire ce qui était prévu ce midi. Donc le wanpo saucisserie, la marmite de saucisse au riz. Et je ferai les ballotins demain midi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça va pas? Tu avais envie des ballotins? Avec des pâtes? Je voulais un kebab. Tu voulais un kebab? Ça m'étonnerait de toi. Ouais, un bon kebab. Oh, Berk, non, moi j'ai pas envie d'un kebab, je vous le dis. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai assez mangé, là, j'ai pas trop envie. Non, 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 j'ai rien envie. J'ai envie d'un repas plus ou moins sain. Donc ça sera saucisse avec du riz. Et on va faire ça. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est... oh là là, j'ai de la poussière partout, c'est horrible. Ah oh, mais c'est toi, t'as voulu... Chérie aime bien poncer dans la maison. Non, c'est toi qui aime bien. Et il aime bien faire des travaux. À chaque fois que je dois poncer, c'est toujours... Alors qu'on reçoit ce week-end pour l'anniversaire à Kimberly dimanche. Hein? Donc du coup, bah voilà. Si on prenait ça, que ce serait pas arrivé. Je vais pouvoir tout astiquer ma maison. Hein? Alors, la marmite de riz, on va trouver ça. C'est bien ça. Donc je vous avais déjà partagé la recette de la marmite de riz. Donc je vais la refaire avec vous. Mais vous avez la fiche recette, vous avez tout. Je mettrai tout en lien, comme d'habitude, en barre d'infos. Ce que ça va vite, hein, c'est juste... oui, comme je vous ai dit, c'est un wanpo. On met tout dans le cookéo et ça cuit en 15 minutes. 13 minutes même, au cookéo. Ça va chérie? Montre en main. Montre en main, ouais, mais il faut couper les légumes et tout quand même. Hein. J'ai dit la cuisson 13 minutes, pas la préparation. Ouais. Bah déjà range ton bordel, là, que je puisse débarrasser un petit peu ma cuisine. Mon bordel organisé, il est déjà rangé. Bon, je vais passer à Spiro. Ouais, et puis
je vais ranger un petit peu parce que j'ai besoin d'un peu de place dans la cuisine. Là, tu m'as tout foutu dans la cuisine. Ouais. Ça va pas, chérie? Il faut appeler les gosses. Chérie me fout le bordel partout quand il te colle. Moi, je suis même pas venu dans la cuisine. Comme d'habitude. Ouais, c'est toujours. C'est jamais lui. C'est toujours moi. Comme d'habitude. Mais c'est toujours moi. Pauvre chérie. Allez. Et après, on fait à manger. J'ai pas envie de manger en plus. Je suis écœurée. T'as pas envie de manger non plus? Ah bah je fais ça quand même ou quoi? Non, moi s'il faut un paquet de chips. Oh non, bah alors là, Angèle qui me sort, bah s'il faut, mange un paquet de chips. Ouais. Non, 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 non. On mange la salade. Non mais, pensez pas à ça. Hein? Bon, on va réfléchir. C'est dur les lendemains de fête quand on a l'estomac plat. L'appétit vient en mangeant, donc on fait ça. On le fait quand même. En même temps, j'ai sorti la viande, les saucisses, elles sont sorties, hein, donc... Ouais, on va le faire, au pire, on donne au chien. Bon, enfin, ben ça pas. Allez, Bibi, fais à manger, c'est pour le chien. Ah non, mais... ça a perdu. Bon, on va réfléchir. Au chat. On vous tient au jus. On s'est décidé, on fait la marmite de riz. On mange. On mange. Et c'est pas pour le chien, il rigolait, hein, tout à l'heure. Autrement, j'aurais... Hein mm-hmm. Non, mais... Alors, comme je vous ai dit, ça va être très simple, tout se fait dans le Cookéo. Vous pouvez le faire aussi dans une marmite et vous faites cuire à étouffer, vous voyez, avec un couvercle. Alors, dans la cuve du Cookéo, on a mis un petit peu d'huile d'olive et on va y faire revenir. Donc c'est des saucisses de Toulouse que Kimberley est en train de couper en rondelles. Donc voilà, on va juste les mettre dedans. Tu t'en sors? Oui. Tu veux un coup de main? C'est bon? Non, c'est bon. Donc on va juste les faire dorer un petit peu dans la cuve du Cookéo. Et une fois qu'elles seront dorées, on va y ajouter des légumes. Bien des légumes après les fêtes. Hein? On a envie de légumes, hein? Non? J'ai envie de salade. Oh, t'avais envie de salade, moi, du riz. Alors, on va avoir besoin d'un poivron vert émincé. D'un oignon. Oui, on a compris. D'un oignon pareil émincé. Une courgette qu'on coupe en gros cubes. Voilà. Du sel, du poivre, bien sûr du riz. Donc là, moi, pour nous 5, je vais mettre 300 g de riz. Et j'avais un peu plus... non, je sais ça. J'avais 6 saucisses. 6 saucisses de Toulouse. Pourquoi 6? On n'est pas 6, hein. Mais voilà, c'était un paquet de 3. Donc, je n'allais pas en laisser une toute seule. Donc, j'en mets 6. Et puis, un bocal de sauce tomate cuisinée. Donc, celle que vous voulez, hein. Vous prenez... je suis en train de regarder ce qu'il faut d'autre. Mais oui, vous prenez celle que vous voulez. Là, elle fait 350 g de pois net. Voilà. Et puis, il va falloir aussi du bouillon de bœuf. On va faire revenir, attention, les... Ouais. J'ai mis les saucisses à dorer un petit peu. Oui, et on va avoir besoin de 600 ml de bouillon de bœuf. Donc, c'est 600 ml d'eau avec un cube de bouillon. Voilà, alors une fois que les saucisses seront dorées, on va y ajouter les légumes dedans et les faire dorer aussi à leur tour, les faire cuire un tout petit peu aussi. Donc voilà, les saucisses sont dorées, donc du coup j'ajoute tous les légumes et je les fais dorer aussi un petit peu, enfin légèrement cuire quoi en fait. Hop, pendant 2 minutes. Et une fois qu'ils seront dorés, on rajoutera les autres ingrédients. Donc j'ajoute l'oignon, poivron et... les courgettes coupées en petits dés, donc c'est 2 petites courgettes ou une grosse. Il y a une courgette qui s'est fait la masse, je pense. Ouais. Ouais, donc c'est 2 petites courgettes ou une grosse, ça dépendra de la taille de votre courgette. Courgette, j'ai bien dit. Je m'épate moi-même. Je deviens trop forte. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je m'améliore, hein. C'est l'âge, je me bonifie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis comme le vin. Ouais, je suis comme le vin. Ouais. Donc il faut que tu me gardes encore un petit peu, chérie. Moi, c'est mon vocabulaire, voilà, qui se bonifie. J'apprends à parler avec l'âge. J'ai mis du temps. Pourtant, bah ouais. Allez. Donc du coup, on se revoit dans 2 minutes, une fois que les légumes seront dorés un petit peu. Ça y est, les légumes sont plus ou moins dorés. Je vais ajouter du coup le reste des ingrédients. Donc il y a, comme je vous ai dit, 300 g de riz. Alors nous, c'est du riz complet.
Donc c'est 13 minutes. Par contre, si vous mettez du riz blanc, c'est moins de temps au cookéo. Le riz complet est un peu plus long à cuire. J'ajoute mon pot de sauce. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est bon. Voilà. Et je vais ajouter dedans. Alors moi, c'est de la sauce sicilienne. Donc c'est avec de l'aubergine et du parmesan dedans. J'ajoute mon eau. Alors je mets un peu d'eau dans le bocal. Je vais pour récupérer le restant de sauce qui est à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc les 600 ml d'eau. J'ajoute le cube de bouillon de bœuf, du sel, du poivre et une cuillère à café de persil. Tu peux me donner, chérie, s'il te plaît? Oui. Hop. Je vais mélanger tout ça. Et puis ben, du coup, ben, on va lancer la cuisson pour 13 minutes. Et ça y est, ça sera cuit. Repas pratique quand on vient de... C'est vite cuit. Vite prêt. C'est très bien. Hein? Donc, j'ajoute la cuillère à café de persil. Du sel, du poivre. Et c'est parti pour 13 minutes. Ce qui est cool, ça cuit tout seul. Pas besoin de surveiller. Tout est dedans, les légumes, la viande et tout. J'aime bien ce genre de plat quand j'ai pas le temps ou quand... Voilà. J'aime bien les plats complets comme ça en fait, où il y a tout dedans. Hop, allez, c'est parti. 13 minutes de cuisson. Montrer la table, elle commence à bien sécher. Donc du coup, on voit bien là le badigeon blanc. Voilà. Donc il y a encore un des endroits où c'est pas encore sec. Là, la tâche, là, on va plus la voir après. Et mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un peu comme mes meubles. Alors si vous vous demandez ce que c'est qu'on utilise, c'est ça. Je vous montre. Hop. C'est un produit que j'achète à Action. Et ça marche super bien. C'est avec ça que j'ai fait mes meubles et tout. Et franchement, c'est nickel. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça. Je laisse bien sécher. Et une fois que c'est fini, je mets de la cire. Il faudrait que j'aille vous chercher le pot pour vous. Voilà, c'est cette cire-là que j'utilise en fait. Oups, parce que vous voyez, oui, cire, baume des antiquaires. Alors on en trouve dans les magasins comme le Roi Merlin, les choses comme ça. Donc là, moi, la couleur, c'est brun antique, mais ça donne pas du tout la couleur brun antique. Hein. Vous voyez, mes meubles, ils ont pas du tout cette couleur-là. En fait, je m'en sers pour patiner les meubles. Donc c'est de la cire d'abeille naturelle qui est colorée. Et je viens avec un chiffon et j'étale bien, j'en mets vraiment une fine couche. Et c'est vraiment pour donner cet effet patiné sur le meuble, pour pas que ça fasse trop blanc comme ça quoi, en fait. Non, en fait, clairement, pour faire les meubles, je les ponce correctement, enfin on les ponce parce que chérie le fait aussi. Il les ponce. Voilà, jusqu'à ce que... Enfin, au moins pour casser le vernis. À part pour la patiner où il faut vraiment... si vous avez un bois foncé en dessous, en fait, ce qu'il y a, c'est que le foncé va ressortir, en fait. Le tanin du bois va ressortir. Donc, il faut vraiment bien poncer. S'il reste de la cire, surtout sur les vieux meubles comme ça, souvent, ben, on utilisait de la cire comme ça. Et du coup, ça va ressortir. Donc, il faut vraiment complètement décrasser le meuble... Pour avant de faire la patine, donc avec le produit que je vous ai montré que j'achète chez Action, je le dilue même avec un petit peu d'eau pour vraiment pas colorer en fait le bois. Ce que je cherche, c'est de donner cet effet un peu blanchi au bois. Et une fois que j'ai cette patine, donc je l'étire bien. Voilà, je mets pas une grosse couche. Une fois que c'est fait, je laisse bien sécher et ensuite je mets une fine couche de cire. Et pareil, je tire bien. Je laisse bien sécher et ça y est, et mes meubles sont protégés et voilà, ils restent très beaux pendant parce que là les meubles, ça fait un moment qu'on les a fait et ils n'ont pas bougé quoi en fait. Bon, après nous c'est l'effet qu'on aime bien et l'effet qu'on recherche dans les meubles. Donc voilà. Et la table, ça fait un moment qu'on voulait la faire. Hein. Là ça y est. Donc comme je vous dis, il y a juste les pieds qu'on va mettre en plus comme l'autre meuble en fait. Qu'on va mettre en plus. Qu'on va pas faire patiner quoi en fait. Voilà. Et après on verra pour les chaises. Alors je sais pas, je vais peut-être faire des housses, je sais pas, je déhousse des chaises ou est-ce qu'on les met en peinture aussi? Faut que j'y réfléchisse. Voilà. Là pour l'instant il y a les housses de Noël encore, mais bon elles vont bientôt partir. Donc voilà. Faut que je... Parce que si je fais des housses, le pire c'est que j'en avais des housses en fait. Hein. Bah ouais j'en avais des housses, mais je sais pas, je crois que je les ai... Avec des coussins. On les a achetés, hein, chérie? Ouais.
les acheter parce qu'il y en a beaucoup qui étaient décousus. Ouais, et puis en fait, je les avais achetés quand les enfants ils étaient petits, les housses beiges. Et ce qu'il y a, c'est que les housses beiges, enfin moi je voulais des beiges parce que voilà, comme la maison est tout, et ben ils font des taches et arrive un moment, on n'arrive plus à les ravoir. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien ces housses comme ça où il n'y a pas d'assises parce qu'en fait ils ne salissent pas. Ils font souvent quand ils font tomber quelque chose, c'est voilà, c'est sur leurs jambes ou quoi, et ou entre leurs jambes aussi. Et là du coup, ben voilà, il y en a, il y a rien. Ça salit pas. Il faut juste faire attention au niveau des mains quand ils prennent la chaise. Bon allez go, je vais ranger ma... Quoique non, je sais rien que je la range parce que je vais l'utiliser demain. Ça sent très... Enfin moi j'aime bien hein, l'odeur de la cire. Ça sent bon. Enfin moi j'aime bien. Allez, je vais la poser pour deux mois demain du coup. Bon voilà, c'est cuit. Donc on va manger. Moi j'ai fini de monter le vlog pour demain. Alors j'espère que vous l'aurez à temps. En ce moment je suis tout le temps ric-rac hein. Alors est-ce que ça donne? Voilà. Le riz, la marmite de riz. Donc c'est bien, c'est tout est dedans, tout est complet comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, donc je disais, j'ai monté le vlog de demain, j'espère que vous l'aurez à temps. Mais bon, à chaque fois que je dis ça et à chaque fois ça va, ça se bigouille bien. Et j'arrive à le mettre à temps pour vous. Allez, venez manger les loulous. Hop, par contre les vlogs, enfin quoi que aujourd'hui peut-être que ça ira en fait, donc même si j'ai pas filmé peut-être, mais à mon avis vous allez quand même avoir du contenu. Par contre hier il était tout petit hein. Bah oui, hier oui. Vous venez prendre votre assiette les loulous. Bon, on mange et après je pense qu'on va faire la fête à la maison plein d'épices. Ça vous dit? Plus le temps que vous m'embêtez pour la démolir. Je crois que ça va être le dessert de ce soir. Alors je la casse. On va la casser en 1000 morceaux. Ah, on va lui faire sa fête. Ah plutôt sa mort. Je voulais la garder pour l'année prochaine. Tu vois, je sais pas si. En déco. Non, en déco? Bah disons j'en mange pas. Après elle va durcir hein, et puis ça va faire comme la pâte à sucre, enfin je pense. Bon allez, on mange et on fait sa fête à la maison pas d'épices. Maison de pain d'épices. Voilà, enfin on a fait sa fête. Gustativement, c'est pas top top en fait. Hein. En plus, voilà, comme ça fait quand même une semaine qu'elle est là, bon, je la mettais à chaque fois dans le four, je la protégeais, hein, mais voilà, c'est gustativement, c'est pas le goût. Bon, après, on l'avait pas payé cher, on l'avait acheté à Lidl à 5€, donc. Mais bon, je crois que c'est plus le truc déco, le truc, voilà, un peu sympa à faire en famille, puis avec les enfants et tout. Mais voilà, je sais pas si vraiment. C'est censé se manger peut-être. Mais bon, voilà. Donc du coup les enfants après se sont amusés à toute la démolir. C'est, ça a été leur moment de folie de ce soir à taper dessus. Et c'était vachement solide quand même hein, parce qu'avec le sucre, ça a fait vraiment le sucre a vraiment bien durci. Et du coup ils ont eu de mal à la démolir après. Non, bon, elle a fini à la poubelle, hein. On va pas la manger, on va pas finir de la manger, on a mangé quelques morceaux, mais franchement c'est écœurant, et puis comme c'est vraiment, voilà, pas top quoi en fait, après on va pas la garder, hein. On va pas faire des conserves, donc du coup voilà, c'est pas,
Je crois que c'est le truc, voilà, comme je vous dis, sympa à construire, un bon moment à passer avec les loulous. Et puis, et après c'est tout, une fois les fêtes finies, voilà, ça fait comme le bouquet de fleurs, quoi, en fait. Une fois que c'est fini, enfin comme le sapin, une fois que c'est fini, hop, on le met à la poubelle. Mais bon, je pense que c'est l'année prochaine, on en retrouve une, je le referai, parce qu'après, c'est vrai que ça fait un petit truc déco dans la cuisine, c'est mignon, quoi, en fait, voilà. Ben, là, du coup, on va aller prendre notre douche, et puis aller dormir, essayer d'aller dormir tôt, bah, quoique c'est pas très vraiment gagné, parce qu'il est déjà 22h30, hein. Et puis demain, ben, on va aller voir pour la peinture pour les pieds de la table. Je vais mettre la cire, comme je vous ai dit, sur le truc. Et après, je vais refaire mon ménage de fond en comble, parce que ce week-end, comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de Kimberly, le 5, donc samedi. Ouais. Alors, est-ce que je peux... ouais, je pense que je peux. En fait, on lui fait une petite surprise et... j'étais en train de calculer pour voir si il y avait des risques qu'elle voit le vlog avant ou pas. Mais non, elle ne le verra pas. En fait, on lui fait une petite surprise. Samedi soir, on va fêter ses 18 ans. Avec sa parrain, marraine, ses tantes, etc., etc. Donc du coup, on attend du monde samedi soir à la maison pour fêter ça. Puisqu'elle est du 5 et... elle, son anniversaire du coup c'est samedi. Alors elle s'attend à ce qu'on fait quelque chose, parce que à chaque fois on fête les anniversaires des enfants, etc. Le dimanche, mais elle s'attend juste au gâteau avec papy, mamie et parrain, marraine. Mais là en fait il y aura ses tantes, il y aura toute la famille logiquement qui sera là. Après, comme ça c'est un peu prévu, un peu comme ça sur un coup de tête et un peu à la dernière minute, parce que franchement avec les fêtes et tout, on s'est demandé avec chérie, voilà, nouvel an vient juste de passer, Noël vient juste de passer, est-ce qu'on est, voilà. Puis après on s'est dit bon allez, on n'a qu'une fois 18 ans, donc il faut qu'on marque le coup, donc on fera sûrement quelque chose de très 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 simple. J'avais pensé à des sandwichs voilà, avec garnis, et puis on ira chercher différentes salades pour mettre dedans. On ira commander des petits pains à la boulangerie. Je vais sûrement lui faire son gâteau licorne, parce qu'elle elle l'attend et elle le sait, mais elle le pense que ça sera pour le dimanche, mais non, ça sera pas pour le dimanche. Et puis je sais pas, comme je vous dis, ça sera un truc très très simple, c'est juste l'histoire de se retrouver tous ensemble et de fêter ça un petit peu. C'est vrai que quand on est proche comme ça des fêtes et tout, je vous dis, on a vraiment hésité à faire quelque chose ou pas. Puis après voilà, on s'est dit, il faut, voilà, ça se fête. Voilà. Et puis là, nous, ça va s'enchaîner, parce qu'après, c'est l'anniversaire de chérie. Hein, chérie ? Quoi ? C'est bientôt ton anniversaire aussi à toi. Ouais. Ouais. Mais oui, chérie, voilà, ses anniversaires, ça... Donc, ça va être sûrement quelque chose de très, très simple. Et puis, en plus, je sais pas, ça tombe en pleine semaine aussi, je pense, comme le mien. Hein, chérie ? Ouais, donc, du coup, voilà. Ouais, c'est ça, ça tombe à mercredi. Donc c'est vrai, quand ça tombe comme ça en pleine semaine, c'est un peu embêtant. Et puis voilà, les nôtres, c'est pas la même voilà, c'est pas la même signification que celle des enfants, en fait, c'est important. Nous, ça nous rappelle juste qu'on vieillit. Les enfants, eux, ils grandissent. Nous, on vieillit. Donc voilà, il y a des fois, on aime bien hein, les oublier. Ou voilà. Non, on fera quelque chose, mais sûrement un peu dans le même style que nous, quoi. Enfin, que le mien, on fera un petit gâteau. Et puis, voilà. Et puis c'est vrai qu'en plus, comme le mien c'est le 7 novembre, Angel il est du 20, là chez Kimberly il est du 5, Chérie est du 10, donc du coup on a tout rapproché à chaque fois, donc souvent on essaye de faire, alors souvent l'anniversaire de Kimberly et de Chérie on le fait en même temps, on fait une pierre de coups, mais bon là comme c'est un anniversaire un peu spécial pour Kimberly, donc du coup on va le faire à part, mais souvent oui on fait tout ensemble quoi, en fait, à quelques jours d'intervalle comme ça, on, voilà, on peut autrement... Alors on fait deux fois du gâteau dans la même semaine, enfin deux fois plein de trucs et tout, donc du coup non. Surtout là, et puis voilà, en début janvier comme ça, c'est approche, très proche des fêtes et tout. J'ai même plus envie quoi en fait, mais bon. Allez, donc du coup bah, on va préparer ça. Donc il faut que je remette ma maison en ordre, voilà, comme je disais. Il faut que tout soit rangé pour samedi, parce que du coup vendredi, samedi, je vais me consacrer à ça. Alors pareil, je sais pas du tout si vous allez avoir une vidéo lundi, parce qu'à mon avis avec tout ça je vais être
blindé. Parce qu'en plus, comme je vous dis, ça s'est prévu à la dernière minute. Donc je vais devoir tout faire ça sur 2 jours. Je me laisse demain pour ranger la maison, finir la table et ranger, voilà, enlever un peu de déco et tout, tout nettoyer. Et puis vendredi, je vais me consacrer à tout, aux achats et tout. Comme je vous ai dit, je vais faire quelque chose de très simple. Donc maison, il n'y aura pas grand chose à part le gâteau licorne de Kimberley. Et encore, voilà, on verra. Mais voilà, donc je sais pas. Je pense pas que vous aurez de vidéo lundi. Peut-être que je vous filmerai le gâteau licorne et que je vous le partagerai dans une vidéo spéciale, mais sûrement pas lundi. Je verrai ça. Voilà, je verrai comment ça se bidouille. Mais à mon avis, voilà, il y aura vraiment pas de vidéo lundi. Ça sera après pour le gâteau licorne. Je sais même pas s'il aura pas. Faut vraiment que je vois comment ça se. Voilà. Je veux. Voilà, j'ai envie de quelque chose avec les fêtes et tout. J'ai envie de quelque chose de simple. J'ai pas envie de me mettre de pression. Voilà. Donc on verra ça. Bon allez, sur ce, je vais aller prendre ma douche et aller me. Non, en fait, je peux même pas aller me coucher. Parce que il faut que j'attende que la vidéo elle soit finie pour pouvoir vous la mettre en ligne pour demain. Donc même là, je sais même pas si vous l'aurez demain matin à 6h. À chaque fois je dis ça, hein, vous allez me dire, mais à chaque fois j'arrive à... Mais là, je sais pas, parce qu'il est quand même déjà 22h44 et que c'est seulement en train de finir de se monter. Donc avec la table, en fait, j'aurais dû finir avant. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous l'aurez dans la matinée. Bon, allez, go. Je vais me doucher, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.